Bonjour mes amours et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est reparti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons faire des crêpes sucrées. Alors sans plus tarder, on passe à la préparation. Dans un bol, on va renverser 3 œufs. Ensuite, nous allons ajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Après avoir ajouté 3 cuillères de sucre, nous ajoutons une demi-cuillère de sel. Et on se met à mélanger. Après avoir bien remué, vous allez ajouter 3 pots de farine. J'ai utilisé le pot de yaourt comme mesurette. Et vous mettez à remuer de nouveau. Quand vous avez remué jusqu'à ce que c'est lourd comme ça, vous rajoutez la moitié de votre lait. Et pour ce lait, on a besoin de 500 ml. Vous allez prendre 500 ml, vous rajoutez la moitié et vous vous mettez à bien remuer. On va rajouter le reste de lait et se mettre à bien remuer encore. Il faut noter que c'est 500 ml de lait et vous l'ajoutez en deux temps. Après avoir bien remué, vous ajoutez une demi-cuillère de levure boulangère. Vous remuez encore. Maintenant, on va ajouter 3 cuillères à soupe d'huile végétale et on se met à remuer. On a obtenu une pâte bien lisse là. On va passer à la préparation de notre poêle pour commencer à faire frire nos crêpes. On va rajouter un peu de beurre dans la poêle et à l'aide d'un tissu, on va en mettre partout. Là, on fait chauffer la poêle. On laisse cuire la pâte à crêpes 2 minutes avant de retourner à feu moyen. Alors on va retourner. Pour que ce soit plus facile pour vous, prenez un cure-dent comme ça ou bien un bâton de brochette et vous retournez facilement. Vous voyez, on a une belle couleur de crêpe là. On laisse cuire de l'autre côté pendant 2 minutes ici et on va enlever la crêpe. On va enlever notre crêpe. Regardez la couleur à l'arrière. On a une belle couleur de crêpe là et on se met à frire encore.